Salut, station fréquence, les bonsoirs 13 à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Alors on est le vendredi 17, ouais je crois c'est ça, 17 février 2017. Et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Et 73 Eric. 73 de l'opérateur Michel. 14 Alpha Romeo 1995. La tour de contrôle sur le Nord Gironde. Les 73 Michel, j'en profite pendant que j'ai le micro pour envoyer les 73-51 au SWL qu'il y a derrière là sur les autres départements. Et aussi un petit coucou du côté du Québec de 9 Bravo Charlie 555 Gilles qui vient de se mettre là sur le canal et pour voir si, eh ben, si ça veut bien le faire. Roseline de Rémi QTH Sainte-Colombe. Et bien bonjour les 88 Roseline, voilà, de Goli 33 sur QTH l'Est de Bordeaux, voilà, retour. Oui, le département 65-73-51, ça va dire oui. Oui, j'ai entendu, là, c'était très QRP, là, de mon côté, là, j'ai sauté sur le volume. Les bonnes sont 13-51, voilà, de la part de d'Andy 33, 14 ODR 002, QTH Sainte-Colombe, limite Dordogne. Le seul truc que j'ai réussi à sortir, c'est en mobile arrêté. Je pense que les autres OM ont réussi à sortir. Michel, retour de micro à toi, la tour de contrôle. Ah, honnêtement, je m'entends petit comme toi. Mais bon, j'ai bien entendu, moi aussi, mobile arrêté. Mais exactement où et compagnie, là, je ne pourrais pas vous le dire. J'ai pas tout compris, mais les 73-51 à lui, il m'écoute. Lourdes et Tarbes. J'ai pas dit que c'est par contre de la négation, c'est du chemin d'opérateur. Retour à toi la question sur E65. Thank you.
donc bien vu. Il n'y a pas de souci. Ok, Rémi, est-ce que tu as réussi à sortir notre ami Rémi? Est-ce que tu as pu noter les informations? Aucun, j'ai rien entendu. Enfin, si, on le devine, on entend chuchoter derrière. Mais là, de mon côté, là, c'est tout, pas plus. Ludovic, est-ce que tu peux me repasser l'indicatif? Sans problème, c'est 14 Foxtrot Delta X-Ray 165. 1 de unité, 6 de 6e, 5 de 5e. Voilà, l'opérateur s'est réuni. Donc sur le département 65, en bouche arrêtée, QTH entre Lourdes et Tarbes, voilà. Ok, mais cet indicatif me dit quelque chose. Il n'est pas avec nous là sur le groupe là, Facebook. Ah, excusez-moi Michel et Rémi, vous avez parlé en même temps. Retour à toi Michel. Oui, excusez-moi de t'avoir bien modulé. Je disais que la tour de contrôle y a tourné sur l'aiguille dans la bonne direction. Sachant où il se trouvait, cette fois je l'ai bien entendu. Il passe les 73-51, il entend l'opérateur 14 Alpha Romeo 1995, Michel, le Nord-Gironde sur le bord de l'estuaire. Entre la limite du département 33-17, retour à vous Lourdes. Ah oui d'accord, je ne me suis pas senti concerné sur le coup. Par contre, t'as vu, on a quelqu'un là qui nous enlève les QRM. Bon, c'est bien sympa quoi, au moins comme ça, ça nous change un peu de bruit de fond par rapport à d'habitude. Ah bah moi, c'est les QRM, c'est 7 hein, ce soir, donc c'est même un miracle que j'entende Rémi de là-bas. C'est vraiment un miracle, heureusement que le poste, le Pignazou, il a pas mal de filtres, il a un très bon DSP, donc on arrive à se débrouiller. Sinon, c'est chaud ce soir, voilà. Je vais me briser la vestige, je passe à Eric. Ok, mais j'en profite pour saluer Rudy. Je pense qu'il en entend, le 73 Rudy, Eric, sur le site de Bordeaux, voilà. Commune Villeneuve-d'Ordon, exactement, voilà. Et bien, je t'entends, il n'y a aucun problème, voilà. Donc, je te retourne le micro, Rudy, et puis, voilà, tu feras tourner à qui tu veux derrière, voilà. À toi, Rudy.
bonjour à toi, Rémi. De mon côté, je vais essayer de te faire un petit report. S'il n'y avait pas de QRM, la radio serait excellente. La radio 5, très très compréhensible. Je pense que tu as un signal 1, 1,5. Là. Bon, après, ce qu'il faut faire un petit peu, c'est que j'ai le maïs blanqueur qui est un peu fort. Donc ça impacte peut-être un petit peu la lecture du signal. Mais bon, t'as, on va dire un signal de 1, mais après, bon, bah, la radio est forcément très très dégradée à cause des QRM. Mais je pense qu'elle doit être très bonne. Après, peut-être que Michel, qui est un petit peu mieux loti que moi, question QRM, pourra faire un report un peu plus précis et plus professionnel. Voilà, parce que là, les conditions sont pas géniales. Voilà. Mais bah, content de voir que ça passe bien. Hein. Voilà, ici, pour faire rapide, là, les conditions de trafic, c'est une Mantova 8 hein, sur le toit du QRA. Le poste, c'est un Yazoo ST891. D'origine dont j'ai modifié la pastille, voilà, pour avoir une modulation un peu plus un spectre de fréquence un peu plus large, puisque la pastille d'origine a tendance à complètement squeezer tout ce qui est médium aigu. Voilà, donc pour avoir une radio un peu meilleure et voilà. Et je vais passer le micro à Rémi. Il me semblait qu'il y avait une surprise ce soir, alors moi j'attends avec impatience la surprise. Alors, voilà, retour à toi, Rémi. Ok, oui, affirmatif. Alors au début, la surprise voulait faire le QSO là depuis la station. Du coup, voyant l'affluence de tout le, enfin l'affluence à chi trois coups, voyant que là ce soir ça passe quand même pas mal, il y a un petit peu de propag et tout, là ça nous arrive un petit peu là de d'autres départements, plus Gilles du Québec là qui est en Eric derrière là qui tend les grandes oreilles, je sais pas s'il arrive à nous entendre, je suis pas convaincu. Je regarde en parallèle là sur Facebook là ce qu'il me met comme réponse. Rien pour le moment, bon, on verra bien. Alors oui, du coup, la surprise est montée dans sa voiture pour vite aller se mettre en place là sur la colline. Là, peut-être qu'il est déjà rendu, je sais pas, je vais laisser un blanc pour voir ça. Ok, bonjour à tous, les bons 73 à tous. Salut mon petit Ludo, Eric, parce que j'ai entendu, là, Michel, la tour de contrôle, et celui qui est Rodi, qui est un peu plus loin. Voilà, bah, bonne soirée à tous de 14 ODR, 001, opérateur Pascal. Opérateur Pascal, 14 ODR, 0L7, Eric, salut, voilà, ça fait plaisir de t'entendre, voilà, je retourne le micro à Ludovic. Ok, 73 à toi Pascal, voilà, tu étais bien dans ma liste, hein, voilà, j'avais fait une liste de personnes possibles, voilà, pour rigoler à Rémi et... voilà, tu fais partie des personnes auxquelles j'avais pensé, mais ça c'est bon plaisir que tu sois là, quoi, voilà. Je vais faire le retour à Michel parce que je crois qu'il voulait, il voulait qu'on lui retourne le micro, là, donc à toi Michel, vas-y. Oui, mais je voulais dire qu'il y avait deux surprises. Parce que le monsieur en mobile, parce que je salue, 73-51 années. Et puis il y avait le miracle qui nous arrivait de Lourdes. Ah oui, on s'en pisse, retour à Pascal. Oui, ben voilà, j'ai pas été à Lourdes, mais bon, pas loin, hein, voilà, Hachi, mon petit Michel, et ben ouais, c'est vrai que ça fait bien plaisir d'entendre tous les. Tout la bonne bande, voilà, et, mon petit Eric aussi, là, voilà. Et puis en espérant te voir sur pourquoi pas sur Cestas là dans quelques jours. Donc ben ça sera un grand plaisir de rencontrer de retrouver tout le monde et puis ben, de pouvoir discuter un petit peu des nouveautés, voilà. Excusez-moi, j'espère que je suis moins d'une personne. Pascal, est-ce que tu peux descendre de 10 Hertz? Voilà, juste 10 Hertz, c'est tout, ça serait impeccable. Hein. Le miracle s'amplifie. Et 59 plus 10. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? T'as les amiraux de terre, voilà, propagation. Dans tout, oui. C'est génial. Ok, alors je sais pas, il y a quelqu'un qui t'as repassé le micro à quelqu'un, excuse-moi Michel. Salut.
Michel nous expliquait que ça a l'air de bien monter la propagation. Voilà. On va revenir sur Rudy, voir si ça passe toujours bien de son côté. Retour à toi, Rudy. Que à Radio Broc on va y être avec apparemment un peu plus de monde pour se retrouver là-bas. Après je sais pas trop qui c'est qui va venir et tout ça. Attends, je fais un petit truc là. Il y en a un qui fait 1-2-1-2 derrière là. Alors, je vais laisser un petit blanc pour qu'il passe. Voilà, mais sinon je vais je disais voilà, donc à Runy là je l'entends bien. Donc bah, j'y envoie les bons 73, hein, je l'entends, j'arrive à le copier. Hein. Pascal 59 plus 10 sur le nord du Roi. Oui, la station en avant. Oui, le siffleur. Si t'as perdu ton ciel, s'il y a de toi. Salut les enfoirés, comment allez-vous? Salut, je crois qu'il y a Florent qui ne doit pas être loin non plus derrière. Ah, ok, les enfoirés, les restos du cœur. Retour Pascal. Ouais, ok, bah allez bon 73 à toi, bah ça fait aussi plaisir à t'entendre. Franchement, là, je suis gâté, là, pour une fois que je viens dans le coin, là, et tout ça, il y a du monde, et ça fait plaisir, voilà, de voir qu'il y a pas mal de modulation, de la propag aussi qui est au rendez-vous pour notre plus grand plaisir. Voilà, retour. Pascal 113, voilà, Thierry Libourne, on n'est pas loin, hein, t'inquiète pas, c'est pour ça que tu m'arrives au carton. Ah ouais, là, tu m'as collé l'aiguille, hein, chi. Ah, désolé, ouais, je vois aussi que tu te trouves, toi, voilà, ça, je me doutais que t'étais pas loin, ouais, mais que vous m'aurez mis à dire, en plus, t'allais sur la butte, là-bas, là, t'es bien placé. Ouais, voilà, et puis il y a une belle vue avec les étoiles, là, en plus. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de quoi vous voir, hein. Ah non, non, malheureusement, c'est ça qui manque un peu, toi. Si, on va revenir, là. Ouais, on lui renvoie les 88, voilà, j'en profite pour saluer le coyote. Salut Eric, 113, ouais, t'inquiète, ouais. Pascal, je vois aussi que tu te trouves, je vais t'en envoyer 7 ou 8 avant de te tenir compagnie. J'ai des bonnes relations, moi. Ah, ok, je suis preneur. Enfin bon, on va le dire discrètement. Hein. Ouais, mais personne nous a entendu, c'est bon. Ouais, là, on est entre nous, là, voilà. Le coyote! Tu risques d'avoir des surprises. Tout n'a pas été opéré. Ah ouais, comme tu dis, hein, Michel, hein, franchement, ben on va y aller doucement quand même avec des protections. Hein. Et puis toi, tu t'en refoules pas le casse-croûte de la veille. Ouais, non mais bon, moi je suis proche de la retraite, hein, donc on va y aller mollo. Hein. Mais je suis pas dans ces moules-là, moi. Il va faire ce que je pense, et puis après, Pascal, là, tu vois, tu as parlé de Radio Broc, là, le 11, mais il y a une autre date aussi à citer, là. Ah ouais, c'est le 29 juillet, voilà, à Marennes, voilà, où on invite tout le monde à venir nous rejoindre sur le stand. Voilà, donc comme tous les ans, ben, on expose, toujours avec des petites nouveautés que je vais ramener, là, des postes allemands, des bases allemandes, tout ça. Donc
Il y aura peut-être une nouvelle antenne qui va remplacer la Skyper. Donc du coup, ceux qui veulent venir nous voir, ça sera un grand plaisir de les accueillir voilà, sur le stand. On va essayer ce soir. Alors, retour Rémi, là, il a dû partir en train de faire les va-et-vient avec le PC et puis le DK, là. Franchement, il va transpirer, le pauvre. Ah ben, ça y est, j'ai ramené le PC, là, à côté de la station, justement, pour pouvoir assurer le suivi avec Internet. Ok, c'est bon. C'est vrai qu'il faut tendre l'oreille. Le MD100 est un petit peu plus. Un chouïa plus grave, un chouïa plus compressé. Je sauterai le MD100 et l'autre plus aigu. Attends, ouais, Eric, ouais, mais parce que je te le dis, mais si je. Voilà. Non, mais je l'entends la différence, oui. L'autre est plus sauterai, le MD100 est un peu plus doux. Ah bon, je suis avec un micro là alors. Ouais, mais tu parles pas assez longtemps. Je vais parler, là, c'est monopolisé la bande, comme on dit. Voilà, je vais parler un peu plus longtemps, tu vas me dire avec quel micro je suis, là. Mais on parle, oui, mais il faut faire une comparaison, parce que moi, je te l'entends à l'oreille. Ah, mais voilà, mais tu vois, que t'as, on n'arrive pas, tu peux pas savoir, c'est pas assez, il n'y a pas assez de différence. Bon, retour, on se met sur le contrôle. Il dit qu'il n'y a pas de différence. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. J'écoute, je dis rien, mais il y a quand même une différence entre les deux, mes enfants. Par contre, heureusement que nous avons un ami à qui on va repasser le micro s'il est toujours derrière, en mobile arrêté. C'est notre ami qui est sur les environs entre Tarbes et Lourdes. Parce que ce soir, quand même, je ne suis pas de votre côté, mais vous pouvez constater. Il n'y a quand même pas beaucoup de QRM. Les QRM électriques ou atmosphériques, parce que moi je vous entends tous super, super QRO. Allez, retour notre ami qui est sur les Pyrénées là-bas. Bon, mais apparemment, il a dû reprendre la voiture. Alors, retour à toi, ma famille Jondé. Et le président, il est encore parti. Je ne sais pas quoi, ça va quitter. Allez, qui va reprendre, on reprend. Mais ce soir, ça passe bien, tous. Ok, retour, Pascal. Tu as d'autres infos à nous donner. Allez, vas-y, creuse-toi la tête. Hachi. Il y en a deux qu'on parle. Oups. Adéquate, voilà,
est toujours là. On a perdu Rudy, ouais, on dirait. Je suis de retour. Ok, vas-y, Rio. Ah oui, je voulais pas prendre la parole à qui que ce soit, je dis juste que j'étais retourné, hein, je... Voilà. Ok, bah, je reprends là. Dis-moi, mon petit Ludo. Alors, les tests d'antenne, là, c'était génial, là. Qu'est-ce que tu penses justement de l'antenne de l'ancienne antenne de Rémi là? Ah, le Sigma Juradis, c'est celle-là? Oui. Ouais, c'est ça, parce que moi je trouvais qu'elle cartonnait pas mal et peut-être même mieux que la Santiago 1200. Mais d'après les tests qu'on a fait, oui, ça avait l'air d'être celle qui se détachait du lot, hein, voilà. Du moins, les conditions dans lesquelles on l'a fait. Alors après, voilà, ça dépend toujours de plein d'éléments. Mais c'est un test qui mériterait d'être fait, je pense, entre les trois antennes de tête, la Santiago, la Sirio et la Sigma. Ça pourrait être intéressant de refaire des différents tests avec peut-être plus de distance. Peut-être pas faire ça en environnement urbain, parce qu'il y a toujours un petit peu de QRM. Ça peut être intéressant, mais effectivement. Alors après, je sais pas, apparemment, il y avait un souci de réglage de toast, là, il n'avait plus à régler le toast, donc c'est un petit peu dommage. Rémi, pour ton anniversaire, on va se cotiser, hein, puis on va te racheter une Sigma, je crois. Voilà. Le retour à toi, Pascal. Ok, alors tu sais comment je module là? Alors en fait, c'est un test, il faudrait que tu viennes. Alors si tu as l'opportunité de venir à Cestas à Radio Broc, c'est le test du double antenne que j'ai fait. Donc c'est avec deux antennes HN90 que j'ai mis donc de chaque côté. Donc ils sont juste reliés avec un T, tu vois, et direct au poste, et apparemment ça passe bien là. Moi je peux, si je peux au propre, sa modulation c'est du beurre. Quelle jolie modulation! Merci mon petit Michel, merci. Du coup, ben, c'était pas sûr que ça fonctionne, parce que c'était vraiment un casse-tête de lancement de la vidéo. On s'est mis à faire la suite pour les régler. C'est même d'ailleurs à 4, mais bon, on va pas parler du troisième, du quatrième plutôt. Et donc du coup, c'est vrai que c'était un casse-tête parce que en fait c'était un triplé avec l'antenne du milieu qui était la Santiago 1200 qu'on avait jumelé. Et le truc c'est que bah, l'antenne du coup, les deux antennes, on a été obligé de les incliner à 45 degrés pour que le dos puisse descendre. Ok, bah de mon côté c'est du 55, hein, voilà. La modulation est très bonne, hein, je confirme, voilà, Michel, voilà, il me dit que c'est du beurre, bah, très bien. j'ai pas de comparaison alimentaire à donner, c'est peut-être du Nutella, voilà. Je sais plus si c'était là, moi, désolé. Mais ouais, c'est très bon, il n'y a pas de souci, et ça arrive à 55 ici à Florac. Donc voilà, je sais pas après ce que t'as mis comme whisky dedans. Si c'est du single malt ou autre chose, voilà. mais ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Ici de mon côté, voilà. Bon, je vais faire tourner sur Eric, voilà, ce qui peut te faire un report aussi de son côté. Bon, on n'est pas très très loin, mais les conditions sont différentes. Vous avez Sylvain qui nous écoute derrière. À toi, Eric. Ok, ben, merci Ludovic. Voilà, mais écoute, je vais retourner sur Pascal, je vais le laisser parler un petit peu, comme ça je vais pouvoir regarder. Vas-y Pascal. Ok, bon, en fait, en petit report de module pour vous deux, là, alors le beurre, l'argent du beurre et le fil de la crémière, donc Santiago de 5-5, hein, il n'y a pas de problème, hein, pour les deux. Oui, alors je disais donc pour améliorer le. Enfin, le calage, on va dire, du tout, on est obligé d'incliner les deux antennes à 45 degrés en arrière. Et apparemment, bah, ça fonctionne bien, là. Ok, bah,
Pascal. Mais écoute, pour moi, de ton côté, c'est du 57 avec des pointes à 58, voilà. Donc ça passe très très bien. Alors tu vois, la dernière fois, je sais plus, une fois, tu avais peiné à me sortir, si tu te rappelles, et toi, il y a quand même une différence. Hein. Ah, mais bon, écoute, là ça va, c'est très très bon, il n'y a aucun souci. Je te dis 57 avec des pointes à 58, très très bonne radio de 5, il n'y a aucun problème, voilà. Je vais retourner sur Rémi, vas-y Rémi. Ok, ça tombe bien. Alors nous avons Sylvain là derrière qui est sur la ville de Troyes, je crois. Qui nous entend. Voilà, il m'a laissé un petit message là sur Facebook. Voilà, il nous entend là derrière là depuis ouais, c'est Troyes je crois. Hein. Retour Pascal. Ok, bah disons, je lui envoie les bons 63 s'il arrive à nous sortir, et c'est vrai que Sophie, une petite trotte hein, là-bas, dis donc, alors bon, là, ça c'est pas mal, voilà, alors pour de faire la réponse à Lido, c'est juste la puissance du poste, hein. Voilà, il n'y a rien derrière. Ok, je reprends, ok, Valais 73, station qui nous entend de très loin, j'ai pas compris qui c'était, voilà, si quelqu'un peut me repréciser, j'étais pas attentif, voilà, j'avoue, j'étais pas attentif, ok, merci pour l'info, Pascal, écoute, tu passes même un point de signal de plus que Rémi, hein, et la radio est vraiment très très puissante, hein. Enfin, ça percute pas mal, hein. Voilà, par rapport à Rémi, voilà, je sais pas où tu te situes, par rapport à lui, si vous êtes à peu près à la même distance, l'un et l'autre, par rapport à Bordeaux, mais en tout cas, j'ai un point de plus de signal et une radio qui est même plus percutante. Voilà, c'est ce qui me semble. Après, je sais pas pour les autres. Voilà, je fais un retour sur Michel qui peut-être nous faire un petit commentaire de son côté. À toi, Michel. Ah, mais moi, je vais vous dire, honnêtement, moi qui ai fait mes premiers contacts radio en 1960, avec des laryngophones. Si un jour vous voulez aller sur YouTube, recherchez transmission là c'était en aviation, mais avec, et quand j'entends une radio comme il a Pascal, non mais attendez, c'est incroyable, il a fait une réussite. Moi, le vieux Birme qui arrive à 80 ans, qui fait de la radio depuis 1960, je peux vous dire que là, ce soir, j'en suis baba. Eh ben, hop, j'en prends là. Eh ben, oui, non mais bon, c'est ça, c'est avec des coups de main de personnes, de cibistes, que certains, justement, ont tendance à critiquer quand on est un peu... au-dessus, on va dire, et que bon, bah, on arrive quand même à faire des compositions d'antenne qui peuvent être intéressantes et qui ce soir le prend bien, quoi. Ok, je reprends. Ok, c'est bon. Ouais, en plus, toi, là, histoire d'avoir tous les reports, là, des tests, justement, que tu fais, là, Pascal, là, en ce moment, là, avec ton installation, avec la voiture Parc Epic, à Chitroicou, eh bien, j'ai volontairement laissé poursuivre la vidéo, justement, comme ça, là, c'est dedans. Je me suis dit ça, j'ai intérêt à le filmer avec, comme ça, justement, les OM pourront voir, justement, l'efficacité de ton installation, quoi. Voilà, je vais reprendre. Oui, alors c'est vrai que j'avais demandé un petit conseil à un radio amateur bien connu pour son véhicule avec plein d'antennes, et malheureusement j'ai pas eu beaucoup d'écho de sa part, hein, voilà, beaucoup d'aide, hein. Voilà, entre parenthèses. Ouais, ok. Et pour le poste, c'est quel poste là que tu as là dans le push? Alors c'est le 7009, hein, voilà. Donc encore une fois, c'est vrai que bon, ils ont fait vraiment une réussite CRT avec ce poste, et qui apparemment chauffe beaucoup moins que le 9009, qui a des soucis de
Afrique qui est en partenariat avec le les ondes du routier, fait des réductions si on en achète du matos chez lui. Voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà. Oui, le break, il faut en même temps préciser que faut annoncer quand même la couleur, c'est-à-dire que la personne vient de la part des ondes du routier. C'est bien ça, Pascal? Ou je me trompe? Oui, oui, tout à fait. Voilà, on a juste à leur dire que les gens ils sont sur le forum et donc comme ça ils auront une réduction. Oui, Michel, à toi. Oui, c'était simplement pour vous signaler. Notre ami Michel, qui est dans les environs de Toulouse, vient de venir nous rejoindre à l'écoute. Alors, si vous le permettez, je lui repasse le micro. Retour à toi, Michel, pour saluer tous les amis bordelais. Non mais n'importe quoi. Hé, le président déjà c'est pas moi. Regarde mon indicatif, 14ODR002. Le président il est sur les hauteurs là de Sainte-Colombe. Oh il est pas très loin du QRA mais beaucoup plus haut que moi, Hachi. Et comment tu fais pour arriver à l'entendre? Je suis même pas sûr que Pascal ait réussi à te sortir. J'ai pas entendu un bruit. Thierry n'a rien entendu non plus. Je comprends pas là. Oui, non, mais c'est hallucinant. T'as entendu Michel de Toulouse? Non, mais c'est... On va venir, on va tous venir faire le QSO là-bas. On va se retrouver, là, toutes les stations, là, en mode expédition, là, sur ton terrain. Et là, ça va envoyer dans tous les sens, là. Parce que c'est hallucinant à chaque fois tout ce que tu entends, quoi. Ben ouais, c'est normal, Rémi, avec les... Avec un récepteur, tu peux, voilà, c'est pas, avec le, avec un récepteur, tu vas, c'est de l'écoute, hein. Voilà, c'est juste de l'écoute, hein. Ouais, mais Thierry, un récepteur, peu importe le récepteur, si l'émetteur, lui, par contre, n'est pas assez fort, ben tu auras beau avoir le meilleur récepteur du monde, tu sortiras pas plus. Voilà, c'est hallucinant. Quoi. Pascal, tu as entendu quelque chose du côté de Toulouse? Mais là c'est pareil, je voudrais demander à Michel, le numéro 1 on va dire, tour de contrôle, est-ce qu'il l'a eu en fréquence ou est-ce qu'il l'a eu autrement? Alors honnêtement, il est en fréquence, en passant autrement. Ah voilà, donc d'accord, voilà, donc j'ai entendu sur, comme disait Eric, donc avec un récepteur, mais il t'a eu autrement, d'accord, ok. Donc voilà, bah oui, voilà, donc je rappelle, c'est 14ODR001, c'est le président voilà, de la petite association voilà, qui commence à être à 1030 sur le forum, voilà. Le vice-président, donc en fait il y en a plusieurs des vice-présidents, hein, j'ai remarqué, et donc je confirme, le vice-président c'est Dendy, on a aussi en vice-président et ben Daniel aussi, et puis un autre, donc là on manque pas de vice-président, hein, voilà. Moi Pascal, c'est
pour te signaler, c'est pas Eric, c'est Thierry. Moi c'est Thierry. Et je viendrai pas dans votre équipe, j'irai pas dans votre club. Hein. Ça je vous le dis carrément. Ah bon ben pourquoi? Il n'y a que des présidents, des vice-présidents. Il n'y a pas de secrétaire, ça m'intéresse pas, moi. Non, je plaisante. Il n'y a pas de mal, pas de mal. J'adore l'humour comme ça. Non, ben c'est vrai. C'est vrai que il n'y a que deux YL pour l'instant. Mais bon, ben, on va faire les beaux. On va se transformer en Chippendales là, pour les faire venir. Hein. Ouais, non, là, tu dis ça en plaisantant, hein, t'inquiète pas. Hein. Voilà, moi c'est Thierry, voilà, c'est pas Eric. Eric, c'est Viviane Dornon, moi c'est Thierry à Limbourg, mais pas loin. Breco. Ben, j'avais reconnu la module, la différence. Mais c'est vrai que, comme j'étais aussi plein pot, c'est vrai que j'avais pu me tromper. Mais c'est vrai que ben, ça fait plaisir de t'entendre, parce que moi, je crois pour moi, ça sera la première fois que j'arrive à te copier, tu vois. Breco. Oui, à l'avant, le break. Ok, Michel, la tour de contrôle, peux-tu tourner la directive direction le Québec, la ville de Gatineau? Tu as Gilles qui refait une nouvelle tentative là derrière. Alors voilà, parce qu'il m'a demandé si on était en AM ou en BLU. Bon, j'ai répondu, c'est donc là, il est derrière la porte et il essaie de faire une tentative. Alors je sais pas, tour de rôle pour voir là, qui prendra le micro là, pour voir si on peut établir le contact. Si tu l'entends, s'il t'entend, bon bah ok, ça sera validé quand même. J'ai pourtant pas picolé, mais ça s'appelle un blanc. Non, je crois qu'il est en train de moduler, mais justement, en direction du Canada, j'ai entendu derrière. Ah, ok, d'accord, non, parce que là, nous, moi, ici, en tout cas, là, j'ai rien là qui apparaît. Ok, donc il a tourné l'antenne. Oh, ça semble bien. Bah, j'ai pas salué Thierry, son 1351 à toi, Thierry. Désolé pour le coup de poing dans le micro, dans la caméra. Mais j'étais pas sûr, et voilà, donc là je t'ai entendu, sûr, donc c'est bon. Pour info, Eric est allé faire un petit tour, là, il revient, voilà. Voilà, bah, je retourne, je vais retourner sur Pascal, et au passage, je te félicite pour ton montage d'antenne, quand même, voilà, ça marche bien, mais du coup je te dis explicitement, bravo, retour. Oui, bah, tu vois, quand j'ai fait le montage, c'est vrai que il n'y en a plus d'un qui a rigolé, tu vois. Et donc le truc, c'est que en fait, il y avait deux styles. C'est la dernière fois que j'ai fait le test avec un MJ là. Le truc, c'est qu'il y avait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de toast, tout ça. Et en fait, je me suis pris un pigeon, en fait, et l'antenne avait. Quand je suis arrivé, l'antenne me dit tiens, c'est bizarre, on a l'impression qu'elle n'est plus vraiment au milieu. Donc c'est vrai que malgré avec le tripod là, qui est vraiment le top du top, hein, j'ai voulu faire en deux antennes aussi en résonneur, tu sais. Donc c'est ça, mettre deux antennes en V. Voilà. Donc la prochaine fois, je ferai un autre montage pour retester ce pré-donné avec trois antennes sur le même socle. Oui, Michel. Alors, si tu es là sur Internet, tu peux dire que je l'entends. Et alors, il passe comme un bête de mouche. Hein. Là, n'est pas correct. Ok, bon, tu l'as entendu. Est-ce que lui, à la limite, il t'entend? Je vais quand même valider le truc puisque tu l'as entendu. Hein. Ah, moi, je l'ai entendu, mais j'ai attendu pour voir s'il me répondait. Apparemment, lui, il ne m'entendait pas. Hein. Parce qu'il ne m'a pas répondu, il m'avait répondu. Ok, voilà, je lui dis ça, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ici c'est la grande équipe des amis, des amateurs de radio, des bons contacts, et des voix de l'autre. Voilà, Jean-Louis du Québec, c'est là. Pour essayer de s'entraider. Les enfants, le papy qui vous parle, il a bientôt 80 ans. Restez dans la bonne lignée et vous verrez que la vie sera beaucoup plus simple pour vous. Parce que l'avenir, on est sur les compagnies.
Pascal. T'as trouvé un copain. Eh ben, quand on est dans la merde, on y est. Non, bon, alors je reprends là. Dis-moi, Michel, là, j'ai l'impression que t'as pas tourné l'antenne comme tout à l'heure, parce que j'étais un petit peu plus bas. Le signal, il a baissé un petit peu. Ouais, je le confirme. Ben oui, parce que je lui avais demandé de se tourner du côté de Gilles, qui a réussi à l'entendre, voilà. Vas-y, le Canada, je vais te dire en directive, là je pense que ça va mieux. Ah ben oui, là c'est beaucoup mieux, là. J'ai entendu la paix. Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Toutes mes excuses pour cette vie, alors vous continuez. Bah tu sais, bon, ça peut arriver, hein, mais à force de se retourner, hein, tu vois, on attend des accidents des fois. Par contre, je vous signale que Michel, qui est sur Toulouse, s'est mis en directive, lui avec ses quatre éléments aussi, et il est très bien équipé au point de vue matériel, direction de 33. Bon, moi je l'ai par ailleurs, il m'a dit que bon, ben, pour le moment il n'entend rien, hein. La propagation n'est pas avec nous. Bon, il nous entend quand même parce que j'ai notre astuce pour le... Il m'entend, mais ça c'est mon problème. J'entends. Là, je regardais sur, pour ceux qui connaissent, le site www.vocap.com qui fait des prédictions de propag et tout le tralala. Il nous dit qu'il y a un petit peu de... Il y a quoi? Il y a un petit peu de propag sur le... pardon, sur la Côte d'Ivoire et un petit peu sur le Brésil, voilà. Donc pas trop vers le Canada, hein. C'est négatif là, sur le Canada, d'après le site. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, pour information. Par contre, à titre indicatif, ouais, je ne module pas, je vous signale que le Canada, c'est vrai qu'il passait, mais alors, oh putain, il fallait tendre les oreilles, et heureusement que j'ai été tourné à l'envers, parce que vous deviez parler, puis moi ça me gênait absolument pas en horizontal, en plus. Mais, oui, la propagation. Par contre, j'ai un autre système, où je... Il y avait un des YKL du Canada, la Kunguri, là, et... Avec les... Kunguri, c'est le roi, lui. Il y a... Eh bien, ils arrivent... J'aimerais bien être à sa place, hein, pour entendre tout ça. Michel, t'essayes de nous tenter là avec les YL du Canada là, à chaud. Et il y en a une qui a pas le français, mais l'autre, elle était professeure de français dans le nord-est de France, elle s'est mariée avec un Canadien. Et par contre, le Canadien, au punaise, c'est un bon père de reproducteur, hein. Parce que je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, en 10 ans, il est rendu au 5e. Alors bon, mais vaut mieux avoir 5 vivants que d'autres qui. Alors mais, ils sont super sympas, mais enfin, c'est pas là-dessus que je les écoute. Hein. Pascal, t'es toujours là? Alors, je suis toujours là. En fait, il y a quelqu'un qui vient de s'arrêter pour demander ce que je faisais ici. Ah, ça arrive des fois, ça. Ça m'est arrivé une fois. Voilà, alors, j'ai carrément toute une voiture avec trois mecs qui sont sortis pour me demander ce que je faisais, si j'étais du coin ou tout. Enfin bon, ils ont regardé ça et en fait, ils disent « Oh là là, c'est trop compliqué, ils sont pareils. » Voilà. Si je peux. Ouais, Pascal. Tu es sur Bordeaux pour combien de temps? Je remonte à Angoulême demain matin. Je remonte à Angoulême demain matin. Après le dimanche, je serai
fait sur Bergerac, le dimanche matin sur Bergerac. Ensuite, le dimanche soir, je serai du côté, alors là, je ne sais pas si ça va vous parler, c'est Jossigny, on va dire Disneyland, voilà. Ok. Ben, dimanche matin, on t'entendra peut-être à partir de 10h pour le question national aussi. Bon, ben d'accord, ben, j'ai compris. D'accord, ok. Ouais, parce qu'il y avait du monde la dernière fois aussi. Ouais, ben bon, ça va. Moi, le lundi, hein, je prends à 13h, hein, donc bon, ça va. Hein, j'ai de la marge, on va dire. Luzo pourra confirmer, on a fait un petit question national sympathique aussi. Ah, moi je serai au pro tout le week-end. Hein. Eh oui, ton ami était occupé, oui. Mais effectivement, ouais, dimanche dernier, il y avait un petit peu de monde, voilà, avec quelques stations, puis des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre autrement. Donc c'est sympa parce que du coup bah, on est pas toujours tous les mêmes à parler. Voilà, ça change un petit peu, donc c'est sympa. J'avais fait un petit rapport là, sur le chat, voilà, que Rémi a eu la gentillesse de reprendre sur le forum et puis sur Facebook aussi, je crois. Voilà, donc pas de vidéo, mais la liste des stations qui était présente, et c'était bien sympa. Au début, c'était un petit peu difficile parce qu'on avait une station qui était Nord Gironde et une autre Sud Gironde. Je faisais un peu les QSP, mais bon, ça a fini quand même par passer un petit peu. Donc bon, on a fait. Alors je confonds, c'est peut-être les QSO d'avant. Enfin bref, j'ai eu un QSO comme ça. Je finis par les confondre. Mais on a réussi quand même dans de bonnes conditions à ratisser tout le département. Donc c'était bien cool. Mais il y a une station, attends, je vais vous dire ça. Non, c'est trop long, je vais pas tenir la pastille pendant trois plombes. Il y a une station qui par contre peut être là que le dimanche matin apparemment. Celle qui est vers le nord Gironde. Je vous retrouverai le nom tout à l'heure et je vous dirai ça. Donc voilà, venez le dimanche matin, voilà, Hachim. je suis en retour sur Pascal, voilà, pour qui nous annonce que dimanche il sera là. C'est à la boîte. Mike. Ouais, je reprends. Bah voilà, c'est comme disait, c'est dans la boîte. Voilà, c'est vrai que bon, on voit quand même que ça bouge de plus en plus, qu'il y a plus de monde quand même qui ressort le matériel. Et là, ça, on va pouvoir faire, on va dire, on pourra commencer à prétendre faire un projet. Faire bouger les choses pour une nouvelle réglementation. Voilà, donc c'est pour ça que bah, plus on nous entend, mieux c'est quoi. Regarde ton poste, Pascal, t'as une voix là qui se barre un petit peu, là il y a un petit peu nasillarde là, un poil. Ouais, ça se décalé, ouais. Break. Ouais, vous avez un break derrière. En avant. Oui, le break en avant. Oh, le break en avant. Eh ben non, il n'y a personne, du coup. J'ai entendu quelqu'un aussi, effectivement. Michel a raison. Ben, je sais pas, il n'entend peut-être pas tout le monde. Enfin bon, au cas où. Le break en avant. Oui, j'ai entendu qu'il y avait un break. Et il veut pas parler. Bon, à titre indicatif, qu'a-t-il à faire de propagation pour ceux qui sont équipés. Je dis bien, ceux qui sont équipés, 145-337.5. Vous avez un relais qui a été monté sur la banlieue bordelaise. Vous faites le tour du monde à l'écoute, hein, parce que moi, j'ai pas le droit de parler. Donc celui qui a sa distance, il n'y a pas de problème. Mais, par contre, dites-leur, quand il n'y a rien, comme en ce moment, il n'y a pas grand-chose, eh bien, c'est toujours intéressant d'entendre les madames du Canada, des messieurs de tout partout, et je peux vous dire que ça passe super clairo. Par contre, c'est un FM. Eh bien, moi, je vais sur le 20 mètres. Je vais sur le 20 mètres tous les jours, et je
j'entends le Québec, le Canada tous les jours. C'est quoi, c'est 14 mégas, 20 mètres, non? Voilà, tu as ce 14 mégas, tu les entends tous les jours. Voilà, si on peut trouver la fréquence, et tu les entends tous les jours. Putain, je vais y retourner parce que j'hallucine, quoi. Je ne sais pas encore entendu, mais ouais, j'y retournerai. Pas ce week-end, mais j'y retournerai. Hein. Et avant-hier, des... qui c'est qu'il y avait des jeunes, Eric Clémy, le matin, il y avait la Floride, il y avait la Floride, la Virginie. Voilà, là, en français. D'accord. Putain, y'a pas à chier, hein. faut que j'arrive à les entendre. Hein. À chier trois coups. Ils ont toujours l'accent, ils n'ont pas perdu l'accent québécois. Ah, c'est ça que j'aime, justement. C'est ça que j'aime. Ils sont les vaillants qui se lèvent le matin de bonne heure pour écouter sur certaines fréquences les lève-tôt. Oui, le QSO des lève-tôt qui part ensuite en QSO de la bonne humeur. Moi, je les écoute à partir de 4h du matin. Eh oui, mais le papy, c'est souvent qu'il les ouvre à ce moment-là. Parce que lui, le plus avantage de la sieste, c'est qu'il dort la nuit. Bon, ben, chacun est comme il est.